Le nom de Jésus, je dis au nom du Seigneur Jésus, lève tes mains, tu vas prier, demander à Dieu. Mon Dieu, mon Père, que ton esprit prenne la direction de ma vie. Que ton esprit prenne la direction de ma vie. Élève la voix et prie au nom de Jésus de Nazareth. Mon Dieu, mon Père. Voilà Dieu. Dis mon Dieu, mon Père, que ton esprit, ton Saint-Esprit, prenne la direction de ma vie. Que ton esprit dirige ma vie désormais. Parle à Dieu, je ne te sens pas. Que ton Esprit Saint prenne la direction de ma vie. Que ton Esprit dirige ma vie. Prie. Mon Dieu, mon Père, que ton Esprit prenne la direction de ma vie. Que ton Esprit dirige désormais ma vie. Seigneur, mon Dieu, mon Père, que ton Esprit prenne la direction de ma vie. Que ton esprit prenne la direction de ma vie. Que ton esprit dirige désormais ma vie. Mon Dieu, mon Père, que ton esprit dirige désormais ma vie. Dans le tout puissant nom de Jésus, tu peux dire amen si tu as le cœur de prière. Amen. Tu vas prier, demander à Dieu que tout usage du pouvoir des éléments inanimés contre toi ou contre ta vie des tiens soit réduit à néant au nom de Jésus. Amen. Soit sans effet, réduit à néant. Tout usage du pouvoir. Ce n'est pas les choses créées, les choses inanimées. Vous comprenez quand même? Ok, vous allez prier. Tout usage du pouvoir des choses inanimées contre toi, contre ta vie des tiens, soit anéanti au nom de Jésus. Soit sans effet au nom de Jésus. Frappe les mains et prie au nom de Jésus de Nazareth. Mon frère, prie bien. On ne peut rien faire contre toi sans utiliser les choses créées. Tout pouvoir, tout usage du pouvoir des choses inanimées contre ma vie, contre la vie des miens, contre un aspect qui est contre ma vie. Sois sans effet, sans effet, sans effet, sans effet, sans effet. Prie, insiste. Prie. Insiste. Insiste. Tout usage du pouvoir des choses inanimées contre ma vie. Quand la vie des miens soit anéanti, réduit à néant. Tout ce que quiconque peut utiliser le pouvoir des choses inanimées pour faire contre moi soit anéanti. Tout ce que quiconque peut utiliser le pouvoir des éléments inanimés pour faire contre ma vie, la vie des miens, ma maison, mon travail, ma santé, n'importe quel aspect de ma vie, que cela soit sans effet. Sans effet, sans effet, sans effet. Détruit, de l'avant. Sans effet, que cela soit sans effet. Que cela soit sans effet. Presse de l'avant. Mon frère, continue à prier. Tout usage du pouvoir des éléments inanimés contre moi, les miens, ce ministère, les frères, les sœurs, nos conjoints, nos enfants, n'importe quel aspect de nos vies, soit sans effet, réduit à néant. Mon frère, presse de l'avant.
tout ce que n'importe qui peut utiliser, le pouvoir des choses créées, des éléments inanimés, contre toi, soit sans effet. Pray. 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 Presse de là-bas. Insiste. Sans effet, mon frère, continue à prier. Tous ceux qui peuvent utiliser le pouvoir des éléments inanimés pour faire contre toi ce qu'ils ont déjà fait avec le pouvoir de ces choses, soit anéanti aujourd'hui, anéanti, anéanti. Anéanti. Que leur effet soit annulé. Anéanti. Anéanti. Si Dieu exauce cette seule prière, tu vas rentrer dans une victoire totale. Sur beaucoup de choses. Sur beaucoup de choses. Insiste encore. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen. Une deuxième requête de prière. D'abord, tu vas prier, demander à Dieu. Répète d'abord avec moi. Seigneur mon Dieu, est-ce que tu peux ouvrir ta bouche? Seigneur mon Dieu, je prie que tout recours au pouvoir des éléments inanimés qui représentent une divinité contre ma vie, la vie des miens, soit anéanti au nom de Jésus. Frappe la main et prie maintenant au nom de Jésus de Nazareth. Tout recours au pouvoir des éléments inanimés qui représentent une divinité. Mon frère, pray, 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 pray. Mon frère, prie. Nous avons dit qu'il y a de ces éléments inanimés qui représentent divinité. Qui représente une idole, qui représente un fétiche, un esprit, une principauté. Prie, insiste. Tout recours à ces éléments inanimés qui représentent une divinité contre toi, contre les tiens, soit sans effet. Insiste, insiste, continue à insister. Dans le tout puissant nom de Jésus. Amen. Assois-toi, que Dieu te bénisse. Amen. Les vertus spirituelles des éléments inanimés. Nous allons aller encore plus profondément ce soir. Mais d'abord, pour toujours ranimer notre esprit, on va faire un petit rappel. Nous avons dit que parmi les éléments que Dieu a créés, il y en a qui sont inanimés. Ils n'ont pas de vie. Alléluia. Amen. Et nous avons dit également que les éléments inanimés ont des vertus spirituelles. Ils peuvent être utilisés dans le spirituel.
Nous avons dit également qu'ils peuvent être utilisés pour produire des effets spirituels. Nous avons dit également qu'ils peuvent être utilisés à des fins spirituelles, positives ou négatives. Nous avons dit également qu'il y en a, il y a des gens qui savent utiliser les vertus spirituelles de ces éléments inanimés. J'ai dit aussi qu'il y a des gens qui ont fait alliance avec ces choses afin qu'on ne puisse pas les utiliser contre eux. Nous n'allons pas faire alliance avec eux, mais nous allons dominer sur ces choses. Alléluia. Amen. J'ai dit, normalement Dieu a créé toutes ces choses pour nous, mais on peut les détourner de leur but originel, le but pour lequel Dieu les a créés. On a vu Josué qui a dit à Israël, cette pierre que j'ai mis là a entendu, reçu, enregistré les paroles que je suis en train de dire aujourd'hui. Donc, les éléments inanimés ne sont pas autant inanimés. On a vu Jésus parler à l'arbre. Josué parler au soleil. Alléluia. Amen. On va voir encore beaucoup d'autres choses après. Avant de continuer, tu vas élever la voix et prier encore. Reste assis, lève ta main et parle avec autorité. Que tout ce que quiconque essaie d'utiliser un élément inanimé de faire contre toi, ou contre les tiens, au nom de Jésus, que tout soit sans effet. Ça, je dis, parle avec autorité. Élève la voix et parle au nom de Jésus de Nazareth. Tout ce que quiconque, n'importe qui, va essayer d'utiliser les éléments inanimés, les choses créées pour faire contre moi, contre la vie des miens, contre n'importe quel aspect de ma vie, au nom de Jésus, que tout soit sans effet. Parle, insiste. Tout ce que quiconque peut essayer de faire ou a déjà fait contre toi, ordonne que tout soit sans effet. Que tout soit sans effet. Dans le nom de Jésus. Nous avons dit également que les éléments créés inanimés, je l'ai dit tout à l'heure, peuvent représenter une divinité, un fétiche, un démon, etc. Ou bien une réalité spirituelle. On a lu 1 Roi chapitre 20, versets 13 à 23, mais c'est surtout le verset 23 qui dit « Leur Dieu est un Dieu des montagnes ». Il y a le Dieu des eaux. Il y a le Dieu des airs. Le Dieu de la terre. Le soleil, la lune, les étoiles, etc. Alléluia. Ce soir, on va... Tout ce que je viens de dire, c'est des rappels. On va toucher ce soir un élément inanimé, mais qui est fortement utilisé dans le spirituel. Et si Dieu n'est pas avec toi, personne ne peut échapper à ça. Parce que nous vivons avec ça. Et il n'y a personne qui peut éviter ça. À moins que Dieu soit avec toi et nous comprenons ces choses aujourd'hui. Je veux parler ce soir de l'air et du vent.
L'air et le vent. On va surtout insister sur l'air ce soir. Frère, là où tu es là maintenant, là où tu es là. Écoute, tu es entouré d'air. Tu respires ça. Tu ne peux pas te passer de ça. Listen. Doto. Tu es dedans là. Et il n'y a nulle part où tu vas être. Et l'air ne sera pas là-bas. Et Matin, peut-être que tu es sorti de la vie. L'air et le vent. Lisez avec moi d'abord. On va commencer par Éphésiens chapitre 2, verset 1 à 2. Et on va prendre Matthieu 12, verset 31. Suivez-moi ce soir. Suivez-moi ce soir. Frère, si tu comprends ces choses, Jésus a dit, vous êtes heureux. Si vous comprenez ces choses, mais pourvu que vous les pratiquez, si tu peux les pratiquer dans ta vie, dans ta vie spirituelle, tu marcheras dans la victoire et beaucoup de choses te seront favorables. Alléluia. Amen. Vite. Éphésiens 2, 1 à 2. Vous étiez morts par vos offenses et Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde. Va doucement. Amen. Dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde. Selon le cours de ce monde. Selon que les choses se passent dans ce monde. Je reprends. Selon le train de ce monde. Selon le cours de ce monde. Ou selon que les choses se passent dans ce monde. Comment? Selon le prince de la puissance de l'air. Selon le prince de la puissance de l'air. Selon le prince de la puissance de l'air. Le prince de la puissance de l'air. C'est celui qui détient le pouvoir. Celui qui détient la puissance de l'air. Celui qui détient ça. Celui qui gouverne ça. Celui qui a cette autorité. Amen. Amen. Oui. De l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. De l'esprit qui agit maintenant dans les enfants de la rébellion. Amen. Frère, écoute-moi. Rapidement, ça c'est une parenthèse. Lorsque vous voyez quelqu'un qui est rebelle à la vérité, rebelle à l'autorité, qui conteste, qui est un contestataire, c'est l'esprit là dont on parle ici qui détient ce pouvoir, qui agit en lui. Tous les rebelles, les gens qui s'opposent à l'autorité, qui contestent avec la vérité, sont tous animés par un esprit, l'esprit du prince de la puissance de l'air. Le prince de la puissance de l'air. Autre chose, c'est cet esprit qui rend les gens aveugles spirituellement. Qui rend les gens aveugles spirituellement. Et ils ne comprennent pas les choses de Dieu. Il est là, il écoute la parole, il écoute l'évangile des années après années, il ne comprend rien. Il n'a pas la révélation. C'est l'esprit qui égare les gens.
C'est l'esprit qui détourne les gens du chemin de Dieu. Et nous devons faire attention à ça. Et la Bible dit que cet esprit agit maintenant dans les fils de la rébellion. Les gens qui s'opposent à la vérité. Les contestataires. Les gens qui ne veulent pas se placer sous autorité. Frère, il y a un esprit qui les anime tous. La Bible l'appelle le prince de la puissance de l'air. Alors, frère, écoute-moi. L'air et les vents ont des vertus spirituelles. Ils ont des vertus spirituelles. Et c'est très très clair ici dans Ephésiens que nous venons de lire. Et le prince, l'esprit dont on parle là, si vous allez dans Matthieu 12, verset 31. On l'a encore décrypté. On l'a décrypté encore plus là-bas. Et c'est le diable lui-même. Le prince de la puissance de l'air. C'est le diable lui-même. Bien aimé, le diable est appelé le prince de la puissance de l'air. Donc la puissance de l'air dont on parle ici, ce n'est rien d'autre que la puissance de Satan. La puissance de l'air, c'est également la puissance que les sorciers utilisent. C'est la puissance des sorciers. Frère, si on peut bloquer l'air pour que l'air ne circule pas, écoute-moi, le sorcier ne peut plus rien faire, c'est fini. Les gens qui sortent aussi de leur corps, ils sont les frères des sorciers. Ils utilisent également le même esprit et la même puissance de l'air. Les gens qui sont dans les sectes, qui arrivent à sortir de leur corps. Quand ils sortent de leur corps, ils opèrent par la puissance de l'air. Et si tu peux prendre autorité sur ça, c'est fini. Alléluia. Lève la main. Quiconque va entrer dans les airs à cause de toi, que la puissance de Dieu les frappe. Dis amen bien fort. Je dis quiconque va revêtir les airs pour opérer contre toi, agir contre toi, ta femme, ton mari, tes enfants, que la puissance de Dieu les frappe. Dis amen fort, je veux entendre. Dans le nom de Jésus de Nazareth, frère, reste debout comme ça, tu vas prier avec moi. Quiconque va rentrer dans les airs, qui va se revêtir des airs, à cause de moi, que son esprit s'éteigne dans les airs. Que son esprit, que sa vie s'éteigne dedans. Frappe les mains et parle avec autorité. Parle avec autorité, autorité. Quiconque va entrer dans les airs, revêtir les airs, à cause de moi, à cause des miens, que sa vie s'éteigne, que sa vie s'éteigne dans les airs. Que les ailes l'étouffent, 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 l'étouffent. Mon frère, parle. Ça, c'est des prières d'autorité. Ne dis pas à Dieu de faire, non. Toi, tu dis, et ça va se faire. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen. Frère, écoute, il y a des prières où nous demandons à Dieu de faire quelque chose pour nous. Il y a des prières où nous ne nous adressons pas à Dieu, mais nous utilisons notre autorité et le pouvoir
pouvoir que Dieu nous a donné pour ordonner que quelque chose soit ainsi. Jésus a dit, quiconque dit à cette montagne, quitte-la et jette-toi dans la mer. S'il ne doute pas, il n'a pas dit quiconque demandera à Dieu de déplacer la montagne. Il a dit quiconque dira aussi à ce sycomore, c'est un arbre, déracine-toi de là et va ailleurs. S'il ne doute pas, mais crois que ce qu'il dit se passe comme ça, la chose va se passer comme ça. Mon frère, je veux que tu crois que ce que tu dis ce soir est déjà fait comme ça. Je veux que tu crois que ce que tu dis comme ça va devenir une réalité dans le physique. Mon frère, lève la main et ordonne que à partir d'aujourd'hui, au nom de Jésus, n'importe qui va essayer d'utiliser le pouvoir de l'air et des vents contre toi, que la puissance de Dieu les frappe. Frappe les mains et parle au nom de Jésus de Nazareth. Parle. N'importe qui, homme ou femme, va essayer ou est en train d'essayer d'utiliser le pouvoir, la puissance de l'air ou des vents contre ma vie, la vie des miens, mon ministère, dans le nom de Jésus, que la puissance de Dieu les frappe. Mon frère, parle et crois. Ainsi ça va se passer. Parle. Que la puissance de Dieu les frappe à mort. Dans le nom de Jésus de Nazareth, Amen. Si on va évoluer. Bien-aimé, on parle, même dans notre langage courant, on parle souvent de l'air qui souffle à un endroit. On parle de l'air qui souffle dans une vie. Qui souffle dans quelque chose à un moment donné, spirituellement, l'air qui souffle à un moment, l'air qui souffle dans un lieu, qui souffle dans une vie ou dans quelque chose, symbolise le temps qui court. Suis-moi. Amen. 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 Nous pouvons être là. Mais chacun a son lait qui souffre. Pour chacun, c'est différent. Je dis, lait qui souffre symbolise le temps qui court. Il représente également les événements et les circonstances qui sont en cours. Dans une vie, en un lieu, à un moment donné, dans quelque chose, etc. L'air qui souffle peut être bon ou mauvais. L'air qui souffle peut être bon ou mauvais. L'air qui souffle à un moment peut être favorable ou défavorable. Amen. Amen. Ça peut être favorable, ça peut être défavorable. Suis-moi seulement. Suis-moi. Dieu va t'ouvrir les yeux, tu vas comprendre. Ce qui se passe quelque part dans une vie à un moment donné est déterminé par l'air qui souffle. Amen. Vous me suivez? Alléluia. Amen. Je dis ce qui se passe dans une vie, dans un moment,
quelque part à un moment donné, est déterminé par l'air qui sauve. Frère, spirituellement, l'air est un conducteur. Non, ce n'est pas kokona, ça dit ça porte, ça transporte. L'air transporte. Ça transporte les événements. Ça porte les circonstances. Donc là où il souffre, l'événement qu'il porte se passe là-bas. C'est comme un véhicule. Ça transporte. Lève la main encore. Quiconque va essayer ou a déjà fait quelque chose contre toi par le pouvoir de l'air, aujourd'hui, que cela soit réduit à néant. Tout ce que quiconque a envoyé, contre toi, dans ta maison, contre les tiens, dans leur vie, par le pouvoir de l'air, aujourd'hui, que cela soit banni totalement. In the name of Jesus, tout ce que quiconque a commandé, oui, n'importe qui a mis dans l'air, établi dans l'air, et envoyé contre toi, contre ta maison, contre n'importe quel aspect de ta vie, ton service, ta carrière, pour faire souffler un vent, un air, aujourd'hui, que cela soit réduit à néant. In the name of Jesus, frère, sit down. On peut parler de l'air de. C'est pourquoi j'ai dit ce qui se passe, amen, est déterminé par l'air qui souffle. C'est pourquoi on peut parler de l'air de quelque chose qui est en train de souffler, parce que l'air qui souffle en ce moment porte cette chose dont il porte le nom. Vous comprenez? Amen. Je dis. Non. Regarde. Mon fils. On peut parler de l'air de quelque chose. Je suis grand. Qui est en train de souffler chez quelqu'un. Qui est en train de souffler quelque part. Qui est en train de souffler dans quelque chose. Pourquoi? Parce que l'air spirituellement a été chargé de cet événement-là. On peut parler. Amen. Let's go d'abord. Évoluons. Amen. Bien-aimé, on peut changer. On peut changer. L'air qui souffle. Les gens ont le pouvoir de le faire. On peut changer l'air qui souffle. Quelque part. Chez quelqu'un. Ou bien dans quelque chose. C'est changeable, on peut changer ça. Et nous disons, on peut changer le vent qui souffle. Amen. Je dis amen à quelqu'un. Amen. Je dis, on peut changer l'air qui souffle. Dans un lieu. On peut sentir l'air qui souffle chez quelqu'un. Dans quelque chose, etc. Frère, plusieurs personnes peuvent être au même lieu. Au même endroit. Mais l'air qui souffle chez chacun serait différent. Nous sommes dans la même maison. Peut-être même sous le même toit. Nous sommes dans le même marché.
Nous faisons les mêmes choses, nous sommes dans le même bureau. Mais l'air qui souffle chez Sago, ce n'est pas l'air qui souffle chez Jésus. On peut conditionner l'air qui est en train de souffler. On peut conditionner l'air qui souffle. Yeah. Tu as dit ça là bien. Oui, ça, au moins ça là, tu as dit ça correctement. Oui, on peut conditionner l'air qui souffle. Quelque part ou chez quelqu'un. Alors frère, écoute-moi. L'air qui souffle là. Écoute, c'est chargé. I want you to know it. Ne pense pas que l'air qui souffle là est simple, abondé, mais ça porte des renseignements. Et nous les démets, nous démets. On peut travailler sur ça. Amen. Amen. Je dis amen. Amen. Frère, lorsque les changements subits. Mystérieux ou négatif ont lieu quelque part dans une vie, dans quelque chose. Ça veut dire simplement que l'air qui souffle en ce moment a changé. Quelqu'un agit sur ça. Tu vas voir que là où tu fais tes activités brutalement, l'air qui souffle là, ça change. Quelqu'un qui s'est agi sur ça a pris par là. Tu vas voir que les choses mystérieuses. Des événements subits que tu ne comprends pas vont commencer à se passer. Bien aimé, les ennemis essayent de changer notre air pour nous rendre la vie difficile, pour nous compliquer les choses. Amen. Ils vont changer l'air pour toi. Frère, il y a des temps où un air de rafraîchissement souffle. Où l'air qui souffle est favorable à toi. Quand l'air qui souffle est favorable. Frère, tu vas voir que les événements te seront favorables. Quand c'est l'air de prospérité, tu vas rentrer dans la prospérité. Frère, de la même manière, un air de sécheresse peut souffler dans les activités de quelqu'un. De mévente, l'air de la mévente peut s'installer. Et tant que l'air de la mévente souffle, frère, les gens qui ont un article de moindre qualité que ton article va vendre quand tu es là avec le meilleur, avec la meilleure qualité. Frère, l'air qui souffle, c'est ça qui détermine la condition, l'atmosphère spirituelle, l'environnement spirituel dans lequel quelqu'un vit et travaille. Frère, aussi lorsque les événements inattendus. Les événements inattendus, négatifs, commencent. C'est que quelqu'un, tu peux être sûr que quelqu'un a agi sur les qui souffrent. Frère, souvent on est là à plaindre, à nous plaindre. Mais c'est quoi? Mais je ne comprends plus. Frère, je veux que tu, au lieu de rester là, dis je ne comprends plus. Comprends à partir d'aujourd'hui que quelqu'un a tourné le vent. Il est là. Ils ont changé. Les amis là ont changé le vent. Ou bien l'air là.
Elle dit, oh, je ne comprends rien. Tu vas t'élever. Tu dois t'élever. Et dit, l'air qui est en train de souffler maintenant là. Qui a commencé à souffler là. Au nom de Jésus, je commande aussi. Frère, je vais te dire, s'ils peuvent le faire, nous pouvons le faire plus. C'est parce que nous ne comprenons pas. Nous sommes dans la religion. Il y a des moments où ce n'est pas, oh Dieu, en train de faire valoir ta piété devant Dieu. Que non, je prie, non, je jeûne. Je suis un chrétien sérieux. Non, ce n'est pas ça, oublie ça. C'est comme ça Job opérait. Oh Seigneur, je te crains. Dieu dit, je sais que tu me crains. Mais il y a un vent qui est en train de souffler chez toi. Lève-toi. Frère, Job croyait que c'est Dieu. Mais Job, ce n'est pas Dieu. Mais c'est Satan qui a mis les yeux sur ce qui se passe. Et qui a fait souffler un vent. La Bible dit, pendant que ses enfants étaient assis quelque part, un vent a soufflé. Il a fait écrouler la maison, les murs, tout sur ses enfants. Frère, j'ai écrit dans mes notes, tout chrétien avisé, si tu ne comprenais pas, maintenant il faut comprendre. Tu dois élever une barrière. Tu dois élever une barrière. Contre tout mauvais vent, tout mauvais air que l'ennemi peut envoyer dans ta maison, que l'ennemi peut envoyer dans tes affaires, tu dois élever une barrière pour que ça ne rentre pas. Quand tu laisses ça rentrer, bon, et là on y voit, peut-être rien de blé. Je ne sais pas si tu comprends. À partir d'aujourd'hui, lève-toi et lève une haie. Élève une barrière autour de ta maison afin qu'un mauvais vent de l'ennemi ne souffle pas là-bas. Oui. Frère, tu dois baliser ta maison. Et s'il le faut, prends l'huile, oint ta maison. Fermez les entiers spirituels de ta vie. Afin qu'aucun mauvais air ne souffle là-bas. Frère, je vais te dire, un air change un air. Jéhondé noyé dessine tes mains. Un air prend la place d'un autre. Ce qu'il dit, ce n'est pas pour les religieux, les gens qui vont à l'église. Hein. C'est pour les victorieux. C'est une arme pour le combat spirituel. Ce n'est pas pour les religieux. Frère, tu seras en train d'aller à l'église. On va changer les choses autour de toi. Il suffit qu'on change les questions. Qu'on charge les, qu'on conditionne cela, et c'est fini. Alors, je dis aussi, lorsque les événements qui se passent dans un endroit, dans une vie, ou dans quelque chose, deviennent positifs, c'est que le vent a changé en bien. Je prie pour toi au nom de Jésus. À partir de ce moment, tu es en train de m'écouter. Que le vent qui souffle dans ton environnement te soit favorable au nom de Jésus. Que l'air qui souffle transporte le miracle. Que l'air qui souffle apporte la victoire. Que l'air qui souffle apporte la délivrance. Que l'air qui souffle apporte le miracle. Que l'air qui souffle apporte la paix dans ta maison. Que l'air qui souffle apporte le progrès dans ta vie. Au nom de Jésus de Nazareth. Frère, ça dépend de ce que l'air qui souffle porte. Du message qu'il porte. Est-ce que je parle à quelqu'un?
Oh Seigneur, non, laisse ça. Joe, wallo, que Dieu te bénisse. Il y a un temps pour ça. Oh Dieu. Oh, tu veux y aller. Amen. Est-ce que vous croyez que la tempête qui soufflait, on de tempête apaisée, est-ce que vous croyez que ce vent-là est un vent normal? Ben, mais non, alors, c'est pas un vent normal. C'est chargé d'informations. C'est chargé d'informations spirituelles. Ça soufflait pour quelque chose. C'est un vent de quelque chose. Mais Jésus s'est levé. Il dit au nom de Jésus, allez, arrête-toi maintenant. Ça s'est calmé. Et quand le vent se calme, le message qu'il porte également est anéanti. Quand le vent change, quand l'air change, le message qu'il porte est changé également. Est-ce que vous avez jamais vu des gens qui ont chaud là où il fait frais? On va te dire que tu as un problème. Bon, c'est vrai parfois. que tu es malade. Tout ça. Parfois c'est vrai. Amen. Frère, je veux dire à quelqu'un. Lève la main d'abord. Tu vas dire, Seigneur, élève une barrière. Contre tout ennemi. Tout vent ennemi. Élève une barrière. Contre tout vent, tout ennemi. Envoyé contre ma vie. Contre ma maison. Ma carrière. Mes affaires. Contre la vie des miens. Frère, lève la voix. Commence à parler au nom de Jésus. Frère, quand ça va venir, ça va rencontrer la barrière de Dieu. Parle. Est-ce que tu peux parler bien? Une barrière divine. Une barrière surnaturelle. Quand tout vent, tout air ennemi. Envoyé contre ma vie. Contre ma maison, mes finances. Mes activités, la vie des miens. Seigneur, élève une haie, une barrière. Parle. À partir de ce soir, ça va souffler. Mais ça va raconter la barrière de Dieu. Ça ne peut pourra plus entrer. Parle, Seigneur, élève. À partir d'aujourd'hui, au nom de Jésus, je lève une barrière autour de ma maison. Je lève une barrière infranchissable autour de ma vie. Je lève une forte, une haute barrière. Une barrière infranchissable autour de la vie des miens. Je lève une barrière autour de ce ministère. Autour de la CIA, quand tout va ennemi, mon frère, parle. Seigneur, je lève une barrière. Une barrière infranchissable, une barrière surnaturelle. Pray. Une barrière contre tout vent ennemi. Tout mauvais air. Contre tout air de la méchanceté. Parle. Insiste. À partir de cette nuit, une barrière infranchissable. Une barrière divine, une barrière surnaturelle. Contre tout mauvais vent, contre tout mauvais air qui vient de l'ennemi. Oh Père, je lève une barrière autour de ma maison. Je lève une barrière autour de mes affaires, ma santé, mes finances.
Seigneur, je lève une haie, une barrière. Contre les vents ennemis. Insiste. Insiste. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen. Lève la main. Tu vas parler avec autorité. Que tout événement, circonstance, situation, que quiconque peut mettre dans le vent, ou donc quiconque peut charger l'air et envoyer contre toi, au nom de Jésus de Nazareth, que cela soit annulé, que le sang de Jésus les détruise, que le sang de Jésus les détruise. Toute information spirituelle, tout mauvais événement que quiconque peut envoyer contre moi par le pouvoir de l'air, que cela soit annulé avant de venir à moi, avant d'atteindre ma maison, avant d'atteindre les miens, au nom de Jésus, que le sang de Jésus les annule. Frappe les mains et parle au nom de Jésus. Tout ce que quiconque peut envoyer, les événements de la vie, situation, les événements, problèmes, que quiconque peut mettre dans l'air, dans le vent, envoyez contre moi par le pouvoir de l'air ou des vents, que cela soit annulé. Mon frère, annulé. Pray. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen. Tu vas élever la voix et ça c'est une affirmation. Tu vas affirmer avec foi. À tout moment. Partout. Que le vent qui m'environne, le vent qui souffle, me soit favorable. L'air qui m'environne, l'air qui souffle, me soit favorable. Élève la voix, parle au nom de Jésus de Nazareth. Parle, inclus ton mari, ta femme, tes enfants. Que le vent qui souffle leur soit favorable. Que l'air qui souffle, qui circule leur soit favorable. Oh mon Dieu, mon Père, je parle. À partir d'aujourd'hui, en tout, partout, à tout moment, que l'air qui souffle, le vent qui souffle, l'air qui circule, me soit favorable. Mon frère, pas. Quand l'air est favorable, l'environnement sera favorable, l'atmosphère sera favorable, les événements seront favorables. Mon frère, pas. Adam. Dois-toi à son chemin, dans mon travail. Que l'air soit favorable. Dans le marché, dans mes affaires. Que l'air qui souffle maintenant me devienne favorable. Jesus, let me pray. Frère, j'ai dit, on peut changer l'air qui souffle. On peut changer ça. Un air peut remplacer un autre. Tu vas ordonner. S'il y a un aspect de ma vie où un mauvais air, un air négatif est en train de circuler, j'ordonne ce soir que cet air soit remplacé par un air positif. Pas un air qui m'est favorable. Élève la voix, commence à ordonner au nom de Jésus. Dans tes affaires, dans ton mariage, dans ta maison. Que l'air qui soufflait, qui n'était pas favorable, qui n'est pas chargé d'événements positifs,
Sois changé, 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 changé. Est-ce que tu peux parler correctement? Mon frère, si tu parles, Dieu va le faire. Si tu parles, ça va se passer comme ça. Dans ma maison, mes affaires, dans ce que je fais, à partir d'aujourd'hui, dans ma santé, mes finances, tout ce qui soufflait comme un air négatif, un vent négatif, aujourd'hui, que cela soit remplacé, remplacé. Remplacé, remplacé par un vent positif. Mon frère, parle, parle, positif, positif, positif. Un vent d'événement heureux. Un vent d'événement heureux. Mon frère, parle dans mes affaires. Dans mon travail, ma carrière, dans mon lieu de travail. Mon aller, mon retour. Qu'un vent favorable commence à souffler. Que l'air qui souffle devienne favorable. Sois positif. Parle, affirme. Mon frère, tu peux changer ça. On peut changer cela. Dans mes relations. Dans mes relations. Que l'air favorable commence à souffler. Dans mon lieu de travail. Un air favorable, positif. Commence à souffler. Mon frère, parle. 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 Mon frère, ça peut changer ce soir. Je dis, ça peut changer ce soir. L'air qui soufflait dans ta maison peut changer. L'air de la discorde, l'air de l'incompréhension peut cesser et être remplacé. Mon frère, j'ai dit que l'air peut être nommé selon l'événement qu'il porte. Selon l'information spirituelle qu'il porte dans mes affaires, dans mes affaires, mes activités, qu'un nouveau, un nouvel air commence à souffler. Parle, 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 parle. Parle, parle. 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 Mon frère, ne dis pas à Dieu de faire. Ordonne. Dis, dis. Jesus name. Amen. 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 Alléluia. Amen. Amen. Frère, on peut appeler. On peut appeler l'air. Alléluia. Quand on va évoluer dedans, je vais te montrer. Dieu lui-même a dit. Appelle. Iro. Tu peux appeler l'air. Amen. Vous savez, il y a un vent que la Bible appelle le vent d'ouest. C'est un vent qui apporte la prospérité. Le vent d'est, c'est un vent qui amène la sécheresse, qui brûle les choses, etc. Alléluia. Amen. Dans Apocalypse, le Seigneur a donné le pouvoir à un homme de stopper l'air. Afin que ça ne souffle pas sur la terre. Tu vas parler maintenant. À partir d'aujourd'hui, je dis commande que l'air du progrès commence à souffler dans ta vie. Hein? L'aide du progrès. L'aide qui va te porter dans l'avancement. Qui va amener le progrès, l'avancement. Dans ce que tu fais. Que cela commence à souffler. Tu peux parler. Ordonne et parle maintenant au nom de Jésus. Parle. Je ne dis pas oh Dieu, non, non. Ordonne à partir d'aujourd'hui que le vent qui va amener le progrès, l'avancement et la prospérité dans ma vie, dans mon ministère, dans mes affaires, dans ma vie professionnelle, le vent qui va m'amener dans la promotion, que ce vent commence à souffler, que cette terre commence à souffler. Mon frère, parle, 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 parle.
Parle sur chaque aspect de ta vie. Que l'air du progrès commence à circuler dans ma vie. L'air du progrès de l'avancement surnaturel commence à souffler dans les affaires, dans les carrières, la profession. Mon frère Adam, Come on. Prie pour ton mari, ta femme, tes enfants, que l'air du progrès, de l'avancement surnaturel, commence à souffler dans la vie, dans ce qu'il faut. Mon frère, ça peut changer ce soir. Parle. Ça peut changer ce soir. Jesus' name we pray. Amen. Lève la main. Zalodaga. Mon frère. Non, vie. Parle. Doho. Nous allons conditionner notre air. On va le conditionner, le rendre favorable à ce que nous attendons. Lève la main. Qui va ordonner l'air qui va apporter la délivrance dans ta vie, dans ton corps, la délivrance dans la vie de ton mari, ta femme, ton enfant, la délivrance dans ta maison, au nom de Jésus. Que c'était comme ça, souffler. Élève la voix et parle au nom de Jésus de Nazareth. Parle. L'air qui va apporter la délivrance, mon frère. Parle bien. Parle. Ordonne. Oh, je commence, j'adore. À partir de ce soir, l'air qui va apporter la délivrance, qui va apporter la guérison, l'air qui va apporter la libération à ma vie, dans ma maison, la vie des miens. Ce soir, qu'il souffle, qu'il commence à souffler. Qui commence à souffler? Jesus' name. Yaba Sindaya. Amen. Lève la main. Je veux parler sur quelqu'un. Ça ne sera pas un air. Mais un vent. La différence entre les deux, c'est la vitesse et la puissance. Lève la main. Frère, le vent qui va nettoyer ta maison de toutes les œuvres de l'ennemi, le vent qui va emporter de ta vie les œuvres de l'ennemi, à partir de ce soir, que ce vent commence à souffler. Shout. Yes, parle. Le vent qui va emporter les œuvres de l'ennemi, emporter la pleure, emporter la douleur, emporter ce que l'ennemi a mis dans ta vie. Que ce vent commence à souffler. Listen. Doto. Le vent, selon sa force, sa transporte, sa déracine. Frère, écoute. L'homme fort qui est derrière tes difficultés, le vent qui va le faire tomber, que ce vent commence à souffler par ta source. Yaba Sindaba Bosoto. Le vent puissant, le vent de Dieu qui va l'emporter, qui va le faire tomber, que cela commence à souffler. In the name of Jesus.
In the name of Jesus. In the name of Jesus. Le vent qui va déraciner, dessoucher tout ce qui est planté contre toi, tout ce qui vit contre toi, le vent qui va les déraciner et les emporter, que ce vent souffle à partir de ce soir. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Jesus. In the name of Jesus. Les œuvres de l'ennemi dans ta vie, dans ta maison, nous avons dit que l'air peut souffler, le vent peut souffler dans une vie. Le vent de la délivrance, le vent qui va emporter les œuvres de l'ennemi. Ce que l'ennemi a mis pour t'affliger, pour te déranger, pour te perturber, le vent qui va les emporter, que ce vent commence à souffler dans ta vie. Dis Amen fort. Dis Amen très fort. Dis Amen fort. Dis Amen fort. Dis Amen fort. Dis Amen fort. Le vent divin. Le vent divin. Qui va emporter les hommes de l'ennemi. In the name of Jesus. Malakai Sukamama. Ce que l'ennemi a mis pour t'affliger, pour te perturber, le vent qui va les emporter dans ta vie, dans ta maison, que ce vent souffle ce soir. Reçois la tour divine. Reçois la tour divine. Les difficultés qui sont installées, l'affliction, la honte, au nom de Jésus, le vent qui va les emporter, que ce vent souffle dans ta vie. In the name of Jesus, reçois la touche, reçois la touche, reçois la touche, reçois la touche. In the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus. Le vent qui va emporter les yeux de l'ennemi, le vent qui va emporter tes plaintes, au nom de Jésus. Que ce vent souffle dans ta vie. Jesus. Kiba Sanda. Peu. Masukiate. Sanda la bobo. Jesus. Lève ta main. Tout vent. Ennemi qui soufflait dans ta maison. Dans la vie des tiens. Cette nuit, j'ordonne, je commande que ce vent s'arrête. 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 Au nom de Jésus de Nazareth. Lève ta main. Le vent qui va apporter la victoire. La victoire, la victoire. Dans ta vie. Dans ta maison. Dans la vie des tiens. Ce soir. Que ce vent commence à souffler maintenant. Le vent qui va apporter le changement surnaturel. Le vent qui va apporter le changement surnaturel. Dans ta vie, dans ta maison. Dans ce que tu fais. Dans chaque achat de ta vie. Que ce vent commence à souffler au nom de Jésus. Frère, écoute-moi. Ça, c'est un message divin. C'est un message divin. Il y a un problème qui est là depuis de vieille date. Tu es en train de te forcer de suivre. Depuis. Mais rien n'a été. Écoute-moi. Il y a un vent qui peut emporter ça. Le vent qui va emporter ce problème. Et tu ne verras plus ça jamais. Que ce vent souffre au nom de Jésus. Dis Amen bien fort.
Ce problème qui est là depuis, cette situation qui est là depuis, le vent qui va l'emporter définitivement, peut-être dans ton foyer, peut-être dans ta carrière, dans tes affaires, dans la vie de ton mari, ta femme, ton enfant, c'est là depuis. Tu te forces dessus, rien n'a été. Le vent qui va emporter ça, que ce vent souffle maintenant au nom de Dieu. Dis encore, mais très très fort. Dis Amen très fort. Dis Amen très fort. Au nom puissant de Jésus. Autre chose, c'est un message aussi. Quelqu'un ici ce soir, le vent qui va apporter la bonne nouvelle, ça sera chargé. Car ça va apporter à toi la bonne nouvelle. Pour quelqu'un ici ce soir, ce vent commence à souffler dès maintenant. In the name of Jesus. In the name of Jesus. La bonne nouvelle, la bonne nouvelle. Le vent qui va apporter la bonne nouvelle. Que ce vent commence à souffler. 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 In the name of Jesus. In the name of Jesus. Jesus. Silence. Garde le silence. Je n'avais pas vu ça. Pendant que je travaillais sur ces choses, mais là, maintenant, l'Esprit de Dieu vient de me renseigner. Comme nous pouvons élever une barrière contre les mauvais vents, contre les mauvais airs, l'ennemi également peut élever une barrière contre les vents favorables pour empêcher ça de venir à nous. Si tu es là, et l'ennemi a élevé une barrière et empêché un vent positif, un vent favorable qui doit venir à toi. Parce que lorsque le vent ne vient pas à toi, l'élément qu'il porte ne viendra pas à toi. Toute barrière que l'ennemi a élevée contre toi sur ton chemin, contre ta maison, ta carrière, tes affaires, pour empêcher un vent favorable de souffler jusqu'à toi, de circuler jusqu'à toi, de venir jusqu'à toi, au nom de Jésus, que ces barrières tombent ce soir. Shout. Dis Amen fort. Dis Amen très fort. Dis Amen fort. Toute barrière que l'ennemi a élevée pour empêcher un vent favorable de circuler jusqu'à toi, que la barrière tombe ce soir. 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 In the name of Jesus. Sois béni au nom de Jésus. Amen. Amen.